C'est bon. Je ne suis pas ma collègue, je suis moi. Elle a perdu son dossier, elle va faire comment pour la retraite? Pour vous inscrire, c'est par téléphone, monsieur. J'ai toujours aimé ça, mais en même temps, il y a beaucoup de demandes pour pas beaucoup de place. Hein. Mais j'ai mis 4 mois pour avoir mon premier rendez-vous, je l'ai eu qu'au mois de juillet. On déborde de partout, donc il y a des petits dysfonctionnements, quoi. Non, mais je... La victime, c'est moi, quand même. Depuis ce matin, je me prends la tête avec tout le monde, j'en ai marre. Oh là là. Sans code au P2. Ils sont plantés, en Attends, fait, c'est le... C'est quoi, sans code c'est au P2 C'est le contraire, c'est pas possible. On nous parle de simplification, non, et puis là, c'est... Tu vas mettre Pôle emploi, on va mettre HP. Quelle était la mission de Pôle emploi? C'est de recevoir chaque demandeur d'emploi tous les mois. Mathématiquement, ce n'était pas possible. Voir 35 personnes dans la semaine, il me faut 3 journées entières de rendez-vous et pas des 3 quarts d'heure par rendez-vous. Il nous faudrait être porteur, être proactif, bref, réussir. On avait dit que c'était pas pertinent l'atelier en groupe. Soit on reçoit pas le demandeur, soit on le reçoit en tout. C'est pas possible, tu vas le voir quoi, 3 minutes Et encore, parce qu'il va être noyé dans la masse du collectif. Bien sûr. Donc, C'est une attente très forte de la part de l'État. Il n'a pas nié le fait que la pression allait s'accentuer. J'ai vu le suivi mensuel, on devait être à 60 et qu'on a fini à 400. C'est ça, au final, on va faire du chiffre. C'est un mouvement perpétuel. On n'est pas tranquille à Pôle emploi. Il faut se rappeler tout le temps que derrière une demande d'indemnisation, il y a un être humain. Mon père, il a un CDD. Après, vient ici. Il doit s'inscrire au Pôle emploi. Il doit appeler 3949. Mais on est sourd.